c'est bon, même si j'ai pressé en faire en fait. Super, voilà. Donc du coup, on fait qu'est-ce qu'on appelle la réduction de la dimensionnalité, hein. Donc en fait, voilà. Et donc comment on dit, on fait le plus classique. Donc qu'est-ce qu'on essaye en premier, et c'est pas non plus le métier de roulette, mais c'est comment on dit, c'est un peu la méthode à utiliser, la méthode la plus courante et qui est très courante à utiliser. Ça s'appelle en français la ACP, donc analyse par composante principale, en anglais PCA, si c'est dans la littérature. Hein. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? C'est en fait, on a besoin de, comment on dit, de la matrice de covariance. Et la covariance, en fait, c'est un truc tout bête. Donc en fait, vous avez, vous avez vos échantillons. Et vous prenez, comment on dit, donc vous soustrayez la moyenne, et donc en fait entre deux features, bah, vous pouvez en fait faire une histoire comme ça. Donc ça c'est le coût d'intérieur en fait, si vous regardez en détail, c'est juste que vous avez soustrait la moyenne, et vous, comment on dit, et vous divisez par la nombre en fait, hein. Et donc ça vous donne la covariance. Et donc en fait, quand vous avez plein de features, bah, vous avez une matrice taille nn. Où vous pouvez mettre ça dedans, et en fait c'est effectivement ma diagonale, hein, parce que comment on dit ça en français, je sais pas. Donc en fait la partie haute là, elle est la même partie que la partie bas, comment ça s'appelle encore, symétrique, voilà. Donc c'est, comment on dit, donc vous avez une matrice en fait qui est symétrique, voilà. Et donc du coup, la grande question c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, hein. Donc qu'est-ce qu'on a là en fait, on peut, comment on dit, pour comprendre qu'est-ce qu'on fait là, c'est imaginons on a un jeu de données comme tel, et ça sont deux dimensions, donc je sais pas, ça c'est donc ça c'est l'hauteur du bateau, et ça c'est la taille du bateau, un truc comme ça, voilà. Et donc en fait la question c'est j'ai deux dimensions, comment je peux peut-être le réduire enfin, voilà, c'est un peu ça, hein. Donc du coup vous vous rendez compte, si le hauteur par exemple dans ce cas-là du bateau est monte, la taille elle augmente aussi, hein. Et donc du coup peut-être c'est pas nécessaire d'avoir deux valeurs, mais peut-être on peut le représenter comme une valeur, et comme vous voyez bien, en fait il y a une corrélation linéaire entre les deux, donc parce que si l'une chose monte, l'autre chose monte aussi. Et donc toutes les échantillons que vous allez prendre en fait, ils vont être distribués un peu comme ça, hein. Et donc du coup qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait un nouvel système de coordonnées, et ça c'est exactement la PCA. Et donc du coup vous faites un système de coordonnées comme tel. Donc en fait vous transformez vos coordonnées dans ce système là, qui reste toujours orthogonal, et où entre guillemets vous avez autour d'un axe, vous voyez très bien, vous avez tous vos changements, et autour du deuxième axe, en fait vous avez très peu de changements, et donc en fait vous pouvez dire j'ai oublié la deuxième axe, voilà. Et donc je regarde juste dans cette coordonnée là, qui est effectivement ma composition de feature 2 et du feature 1. Où est mon quelle est le valeur de l'objet, voilà. Et comme ça en fait j'ai réduit le système, comment on dit, de deux dimensions dans ce cas là à une dimension. Bon, en la réalité vous avez des milliers de dimensions, et vous les réduisez à 7-8 par exemple, hein, et ça marche exactement pareil, hein. Donc, parce qu'en fait vous avez plein de valeurs qui sont en fait corrélées, et que vous, finalement vous en avez pas besoin, ou parce que vous n'avez pas de moyen de calcul, et donc du coup vous essayez à reconstruire votre système. Voilà, donc juste pour comprendre pourquoi ça c'est corrélé avec cette histoire de la matrice de covariance, parce que en fait quand on regarde ça, ces deux vecteurs là que vous avez là en fait, ce sont qu'est-ce qu'on appelle les vecteurs propres en fait de cette matrice là en fait. Voilà, donc c'est exactement ça. Si vous diagonalisez la matrice, vous obtenez, comment on dit, un milieu, vous savez très bien qu'est-ce qu'on appelle.
c'est en fait, donc ça c'est le vecteur propre de la matrice, ça c'est le deuxième vecteur propre de la matrice, et normalement bah, le vecteur propre en fait, bah, ils ont unité, comment dire, ils ont unité 1, mais là en fait bah, vous les agrandissez par le, donc ça c'est le valeur propre en fait qui donne le longueur de cette vecteur-là en fait. Et donc maintenant bah, le problème il est assez simple à résoudre parce qu'en fait bah, vous utilisez un algorithme standard qui diagonalise cette matrice, vous avez le valeur propre, vous les mettez dans l'ordre, et que si vous les mettez dans l'ordre, bah, vous savez que quelles vont être les valeurs propres qui vous intéressent avec les vecteurs propres associés, mais bah, ceux qui sont larges en fait. Hein. Donc en fait, voilà. Et vous pouvez du coup bah, savoir si la proportion comment dire, entre le valeur propre, donc en fait, bah, normalement, bah, après, vous faites une graphe décroissante des valeurs propres, donc vous savez, bah, si par exemple, si je prends celui-là, je sais pas, hein, je peux calculer bah, le pourcentage de longueur de celui-là au deuxième, et comme ça, je peux dire, bah, j'ai retenu, je sais pas, X% de, comment on dit, de l'information en réduisant mon système coordonné à cette base, en fait. Voilà. Est-ce que tout ça c'est à peu près clair? Est-ce que vous savez qu'est-ce que sont des valeurs propres, vecteurs propres ou pas du tout? C'est pas forcément gênant, hein, dites-moi. Ça va? D'accord, voilà. Donc très bien. Donc en fait, bah, c'est comment on fait, et donc du coup, bah, vous, comment on dit, on calcule ça et du coup, en fait, ça vous permet en fait bah, réduire votre système de coordonnées. Et après, parce que vous m'avez posé la question, vous m'avez posé la question, quels sont bah, les features les plus importants, bah, ça aussi, c'est résolu avec cette problématique-là. Parce que en fait, bah, vous voyez que les vecteurs que j'ai là, en fait, bah, ils sont de composition bah, du feature 1 et du feature 2. Hein? Et donc du coup, bah, si par exemple, comme on dit, donc dans la réalité, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous prenez le premier, voilà, bah, par exemple, on veut réduire, je sais pas, un système de 1000 dimensions à 3 dimensions, bah, vous prenez le primaire 3. Et le primaire 3, bah, je ne sais pas si c'est vraiment corrélé comme dans cette image, bah, ils ont peut-être 80%. Et donc pour regarder bah, la composition du primaire 3. Donc par exemple là, si je prends le premier, bah, je peux dire bon bah, le feature 2 influence le premier quand tel, et le feature 1 influence le premier quand tel. Et donc du coup, on peut savoir en fait, en prenant juste le premier vecteur propre là, en fait, quelle est l'influence de tout feature à ces vecteurs propres et quels sont des features bah, qui ont plus ou moins peu d'influence en fait. Ouais. Donc ça c'est une moyenne de faire. Après, comme on dit, la moyenne la plus simpliste, comme on dit, pour répondre à la question, c'est ce que je vous ai montré hier, c'est quand vous prenez votre data frame là et vous calculez juste la corrélation et vous regardez hein, mais, bah, comment votre feature elle est directement, si elle est directement corrélée au target ou pas en fait hein, donc ça c'est aussi une histoire qu'on peut faire. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde tout ce que je vous raconte? N'hésitez pas à poser des questions hein, parce que ouais. Bon, bah, c'est bien. Voilà. Donc ça c'est super. Donc du coup c'est tout ce qu'on va faire là. Donc en fait là, après, comment on dit, après cette partie-là, je crois que c'est. Voilà, donc après ça je vais vous montrer une autre fois. Et donc, du coup, on va, comment on dit, donc du coup, on va faire ça dans les collabs. Et je vais vous montrer ma comment avec Scikit-learn et avec Python, vous pouvez faire ça en fait. Voilà. Et après, vous pouvez même, a priori, avec qu'est-ce que je vous ai montré ce matin. Bah vous pouvez même, comment on dit, implémenter la PCR dans un pipeline pour que en fait vous entraînez sur une chaîne réduite.